comment ça se passe, ces défis au quotidien? Ben, ça se passe plutôt bien. On a passé une très mauvaise nuit, ça c'est clair, mais dans une très très chouette ambiance et on a fait plus de 170 km. On est assez content finalement du score puisqu'on a encore quelques heures à courir. Donc on espère atteindre 250, 260 km, ça serait vraiment génial. On a eu un très chouette accueil dans la salle où on se trouvait. Les profs de la Razante ont couru avec nous pour nous encourager pendant toute la nuit. Donc ils ne nous ont pas laissés tout seuls. On est un peu dégoûtés de voir leur rythme, mais bon, c'est normal, ils sont profs de sport quand même. Mais vraiment une très chouette ambiance, on s'est bien amusé, c'était un vrai plaisir. Alors peut-être un petit mot aux gens qui nous regardent via internet, peut-être un petit mot pour leur demander de vous soutenir. Ah bah oui, vous pouvez nous soutenir effectivement, hein. Vous pouvez effectivement faire des dons en précisant que c'est pour l'équipe de quotidien, pour nous booster encore un maximum et on donnera le meilleur de nous-mêmes finalement pour récolter un maximum d'argent pour Cap 48. Alors Sébastien, comment ça se passe? J'entends Véronique que pour elle ça se passe bien. Tu m'étonnes. Elle est à côté, elle bouge pas. C'est un petit peu plus difficile à mon niveau. Troisième ou quatrième relais depuis hier soir. Difficile de tenir la moyenne des 10 km/h, mais c'est dur. Alors comment on fait pour justement pour tenir? On a un régime particulier ces derniers jours? Non. Non, c'est parce qu'on fait du sport régulièrement, donc ça va, c'est moins. De petites demi-heures en petites demi-heures, ça va. Mais on en parlera demain quand on aura mal partout. Mais normalement, c'est bon. On tient. Adrien, là pour les encourager? Ben moi je trouve ça merveilleux, j'aurais bien pris un peu le tapis aussi, mais malheureusement je dois travailler donc je peux pas le faire. Je le ferai peut-être tout à l'heure vers 18h30, je viendrai courir un tout petit peu. Mais voilà. Un petit mot aussi aux internautes. Mais c'est important évidemment, c'est une grande opération de solidarité et on est tous ensemble vraiment pour être solidaires, pour que le handicap ne soit plus un handicap. Donc n'hésitez pas, foncez sur le site www.cap48.be, faites un don, c'est très important. Merci. Avec plaisir.